déjà juillet, et que le temps passe vite. Oui, la neige, elle s'en vient. Non, pas vraiment. En fait, c'est plutôt le temps des fraises et des framboises qui commence, et moi, j'ai l'intention de bien en profiter. Et on en profite aussi en cuisinant en toute simplicité. En plein ça. Donc aujourd'hui, tout en se faisant une pizza, on va tester les pleurotes marinées des champignons du fjord situés à Petit-Saguenay. On aurait pu rehausser aussi de la délicate saveur de ces pleurotes, une salade, un sandwich ou même s'en faire un tartare. Il suffit de hacher des pleurotes, de les rajouter à la viande, d'ajouter un peu de marinade, du sel, du poivre et c'est prêt. Hey, c'est facile! Oui! De plus, avec ce tartare, si vous allez à Petit-Saguenay, profitez-en pour vous procurer la viande de serre rouge qui est produite sur place. Et de plus, ramassez notre petite carte recette pour tous les détails de la recette de tartare. C'est nous. Oui, c'est nous. Les détails. Go pour la pizza! Aussi! Cette chouette entreprise, eh bien, rendez-vous sur le blog de Terroir et Saveur. Consultez le billet de Julie Aubé, notre collaboratrice sur la route. Sur ce, à la prochaine!